l'antenne a été remise donc pour la deuxième partie de ces jeux de Nagano et nous vous proposons le patinage de vitesse en épreuve. Donc les commentateurs attitrés pour cette épreuve sont Nelson et Hooper. Je vous laisse la parole. Ok, alors nous nous retrouvons pour cette deuxième partie des sports d'hiver de Nagano 98 en espérant que pour l'instant ça vous plaît, mais je crois que oui. Et je suis donc avec notre ami Hooper qui va commenter avec moi ce patinage de vitesse. Oui, et bah alors, Pachima, j'espère que tu vas assurer parce que là, c'est un petit peu chaud. Quand on a vu un petit peu le boss final de comment il s'était passé, ça nous a soulagé du pire pour cette épreuve. C'est surtout dans les tournois Hooper que ça risque d'être chaud. Car sinon, s'il tourne trop sur place, il va s'enfoncer dans la glace et apparaître en dessous. Il n'y aura plus moyen d'aller repêcher les sportifs. Bah là, ne parlez pas de malheureux, mais on va se passer bien, parce que ça va bien se passer. Bon, Vince, peux-tu nous dire où est-ce que nous en sommes? Mon cher Hooper, donc nous vous annonçons que la France s'élance. Et alors, on peut voir que c'est bien parti. Une France s'élance, alors est-ce qu'ils vont faire plus le score? Est-ce que ça va bien se passer? Vont-ils perdre un patin en tournant? Je ne crois pas, j'espère vraiment que ça va se passer. Alors, Hooper, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, là, on peut les voir, ils sont en train de se défoncer pour avancer. J'espère sincèrement qu'il ne s'est pas cassé la gueule au moment où je vous dis ça, parce que sinon j'aurais vraiment l'air d'accord. Non, non, ça va, il est toujours debout. Il n'y aura plus personne pour regarder cette épreuve. Mon cher Vince, comment se passe la course? Ça va, le concurrent est toujours debout, mais avec un peu de mal pour avancer. Ah là, ça va être un petit peu dangereux, parce que s'il a un petit peu de mal à avancer, à moins qu'il a pété des patins un petit peu trop grand, par rapport à sa pointure de pied. Ce qui m'étonnerait pas, surtout s'il perd sa lamelle, il va se retrouver sur un cône sur la glace et sans pouvoir avancer. Et je serai obligé de passer la parole à Vince sans qu'on nous entende parce que là, ton rire fait franchement peur à mon cul. Vince, comment ça se passe? Eh oui, l'épreuve vient de se terminer. Nous assistons au replay pour avoir le résultat tout de suite après. J'espère sincèrement que la France s'est mieux débrouillée que le Bosselec tout à l'heure parce que le Canada 16e et la France 15e, on peut dire que c'est une performance qui a vraiment tout pété. Et là, parce que la France, si la France ne gagne pas, je vais péter un câble. Pareil que saloperie d'épreuve de merde. N'essaie pas de bêtises ou peur, ça va bien se passer. Et arrête de dire des conneries, sinon je serai obligé de te baïonner avec mes chaussettes que je n'ai pas lavé depuis un mois. Alors Vince, le résultat, s'il te plaît. Et oui, je vous annonce ça tout de suite, mon cher Nelson. Donc nous avons un deuxième essai. Nous avons un deuxième essai, mon cher Hooper. Rien n'est perdu. Ah, ça me laisse un petit peu présager du pire sur le résultat de la première épreuve, Vince. Alors Vince, connais-tu le résultat de la première épreuve? Non, ils seront tous dévoilés après la seconde épreuve, donc qui se déroule en ce moment. Ok, alors c'est parti pour la deuxième épreuve. Et on peut voir une superbe remontée de l'équipe de France. Et on peut voir sur ces images que ça se passe plutôt bien. Cooper, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces images? Franchement, Nelson, là ça a l'air bien parti. J'espère sincèrement que je ne dis pas le conneries. Mais là ça a l'air assez bien parti, on peut voir une équipe de France. Très motivé, on peut voir une équipe de France qui est très, je ne sais plus quoi dire, parce que là, franchement, je n'ai plus de... je ne sais plus trop quoi dire. Mon pauvre Hooper, ne vous étouffez pas en parlant. L'équipe de France est toujours derrière. Ah, l'équipe de France est toujours derrière, donc ça laisse pas d'idée du pire. Bon, ben alors je vais prendre un marteau, je vais commencer à découvrir tous les corps autour de moi, parce que je dis que vous voulez péter un câble, je crois que je vais commencer. Ah ben tiens, il y a la masse du coup pour l'Hitch. Il l'a laissé à son dernier combat à Infortune, à la WWE. Ah ben je vois qu'il y a la masse, ben, écoute, je vais la prendre, si le résultat est mauvais, ben, je vais casser la gueule à tout le décor. Et attention, je ne fais pas partie du décor, mon cher Hooper, je ne suis pas une statue. Alors j'espère vraiment que je fouette un petit peu parce que
Hooper à la masse, il va me défoncer le crâne. Alors j'espère vraiment que le résultat est très important pour l'équipe de France et qu'ils ont réussi cette épreuve. Vince, la France est 16e. Et ben voilà, je prends le marteau. Et voilà, déjà 2 points qui est là. Et Hooper, arrête un petit peu ton bordel. Ouais, grâce à ce résultat, je finis par le toit. J'avais dit que c'était un câble, je pète un câble, mais c'est quoi ce bordel? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça ne déconne pas. Encore la France du 16ème, mais ils sont abonnés au 16 de France, c'est même plus le 15 de France. Et oui, mon cher Hooper, à mon avis, l'équipe de France n'est pas très motivée pour ces jeux. Donc vous faites l'équipe de France, mais c'est pas possible. Ils ont, à mon avis, trop forcé sur la vaseline, ou peut-être un petit peu trop sur les frites fricadelles, à mon avis, oui, parce que ils ont dû se péter les chevilles en tournant, c'est pas possible. Parce que là, sans déconner, je crois que je vais prendre aussi la masse, et on va faire une petite bataille de marteau avec Cooper. Voilà, donc je vous propose en troisième épreuve le curling. Donc, oh putain, le curling, et curling est-il? Nous retrouvons Balboy et Clad qui se trouvent sur le terrain de curling pour cette épreuve. Ok, salut à tous, c'est Balboy. Alors je suis comme Vince, c'est vous l'a dit, en compagnie du Clad de 67 pour cette épreuve du curling. Alors Clad, qu'est-ce que t'en penses des premières épreuves? Bah franchement je sais pas quoi dire. Là sérieux je sais pas quoi dire là. Alors déjà au post live ils ont fini 16ème. Là au partilage de vitesse ils ont fini 16ème. Ah je comprends rien là, sans déconner. Moi c'est pas une marche que je vais prendre, mais sans déconner, je vais prendre une tronçonneuse, j'ai tout coupé là. Ben dis donc, attention, parce que moi j'ai besoin de ma tête et de mon cerveau pour commenter. Vince, est-ce que l'épreuve a commencé? L'épreuve est en train de se préparer, donc vous pouvez voir quelques images. La préparation a commencé. Moi ce que je comprends pas dans le curling, c'est qu'est-ce qu'ils foutent à cabaler. Ils savent dire quoi ce baril là? Ils sont pas chez eux, ils se croient dans leur appartement là, à cabaler là, mais c'est construit. Mais non, c'est tout simplement pour prolonger l'espèce de boule là, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est un palais. C'est le sport et le mettre un petit peu comme une fléchette mais sur le sol. Mais c'est n'importe quoi le curling, mais sans déconner, mais moi je prends des flèches en mousse et je les plante dans mon mur. Hein. C'est beaucoup mieux, moi y'a pas besoin de parler, hein, c'est en apesanteur, alors c'est quoi ce bordel? Ça y est, l'épreuve a commencé. On va aller demander à Vince comment se passe le curling en espérant qu'ils vont pas finir 16ème encore une fois, parce que si ça se trouve 16ème c'est vraiment la dernière place au bas du tableau. Vince, comment se passe l'épreuve? Et non, à mon avis ça a l'air d'être bien parti puisque l'autre équipe a complètement foiré son truc, vous pouvez les voir. Oh là là, mais ça c'est plutôt une excellente nouvelle, on peut voir que c'est une excellente nouvelle. Alors à mon avis, ils ont dû prendre la balise sur les poils, parce que c'est à mon avis, c'est la seule explication. Ah ben ça va, vas-y, te moque pas. Mais t'avais ta performance à SF2, toi, t'as joué avec tes pieds, t'as joué avec tes cheveux, t'as joué avec ta tête, avec tes oreilles. Ah ben, dis donc là, excuse-moi, mais vas-y, j'aimerais bien te trouver sur la piste, moi, t'as du curling. Parce qu'à mon avis, toi, si c'est pas la boule que tu vas lancer, c'est ton corps tout ton pied. Ah vas-y, arrête, parce que là, il va y avoir de la baston, là. Ça, ils sont déconnus, il va y avoir de la baston, il va te prendre un coup de tête, là. Tu me fais trop rire, tu me fais trop rire. Alors, Vince, comment tu passes le temps? Alors, nous avons 2 palettes partout pour la France et l'autre équipe, donc je ne vois pas trop ce que c'est comme autre équipe. Attention, la régie me précise que le temps est encore une fois de plus limité. Nous sommes donc limités à 9 minutes. Je te propose de faire une troisième partie. Qu'en penses-tu? Nous, entièrement d'accord, parce que là, le temps est défilé, on est à 9 minutes là. Qu'est-ce que t'en penses? Nous nous retrouvons donc sur une autre chaîne pour faire la suite de cette épreuve. Attention, le palais va partir et donc nous les laissons lancer le palais et nous nous retrouvons pour une coupure. A tout de suite. A tout de suite les amis, et à tout de suite.